Invité dans l'émission L'heure des pros sur CNews le lundi 27 février, Patrick Balkany a défendu Pierre Palmade. Il a critiqué la décision de la Cour d'appel de Paris qui a ordonné la mise en détention provisoire de l'humoriste à la maison d'arrêt de Fresnes. Pierre Palmade n'a rien à faire en prison. La décision qui avait été prise par le juge était la meilleure décision possible. C'était de le mettre sous bracelet électronique dans un hôpital psychiatrique spécialisé pour les addictions. On le soignait et il était enfermé. Avec un bracelet électronique, vous ne pouvez pas sortir de l'endroit qui a été assigné, sinon ça sonne et on vient vous chercher. J'en sais quelque chose. J'imagine même pas un procureur prenant quelqu'un qui a fait un AVC, l'envoyer en prison pour qu'il meure. En prison, je peux vous dire une chose, c'est que la nuit, vous pouvez avoir n'importe quoi. Vous pouvez hurler tant que vous voulez, personne n'a la clé. La détention à l'hôpital, c'est pire que la prison parce qu'il n'y a pas de fenêtre qui s'ouvre, il n'y a pas d'air. Vous êtes totalement enfermé et isolé. Au moins dans sa cellule, on peut ouvrir sa fenêtre.